Merci beaucoup Anne-France, bonjour à tout le monde et merci à toutes les autres personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que ma venue ne soit pas une totale catastrophe. Donc merci beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir à être ici à l'Université Laval. Donc aujourd'hui, on va parler d'Anoubion. Par curiosité, combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'Anoubion avant? Bon, c'est pas beaucoup. Ok. Alors, vous aurez peut-être quelque chose à apprendre aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire de quoi il ne va pas être question aujourd'hui. On ne va pas faire de l'astrologie genre Madame Soleil. Ça va être un tout petit peu plus technique. Je suis désolé, Anne-France, tu vas être déçue. Alors, tout va commencer par un papyrus de Genève, justement, sur lequel on travaillait il y a une dizaine d'années dans le cadre de la publication d'un volume de papyrus de Genève, précisément. C'était un papyrus que j'avais confié à une chercheuse et je vais vous en parler un tout petit peu plus, mais j'attire tout de suite votre attention sur ce truc qui ressemble à un Z de Zorro. On en aura besoin dans un instant. Pour l'instant, pour comprendre un tout petit peu d'où vient ce papyrus, il faut se reporter en arrière dans le temps. La collection de Genève est une collection qui a été constituée par un travail d'équipe entre deux personnages. L'un égyptologue, c'est Édouard Naville, et un helléniste, qui est Jules Nicole, qui est un de mes lointains prédécesseurs à la chaire de grec. Alors, Édouard Naville faisait un peu les commissions pour son collègue Jules Nicole en Égypte. Il a acheté un certain nombre de papyrus qui étaient sur le marché des antiquités en Égypte. C'est important pour notre propos parce que, au fil des décennies, quand les papyrus ont commencé à être publiés, il s'est passé des choses curieuses. Voyez par exemple ce contrat de mariage du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a une partie de ce contrat qui se trouve dans la collection de Genève, et un autre morceau qui est à Oxford, et un troisième qui se trouve à Munich. Pourquoi? Parce que ça a été un petit peu dispersé au moment de la vente. Ça n'est pas le seul cas. Un autre cas intéressant, c'est celui d'un poème sur des blémies, combat contre des blémies, donc des gens du sud de l'Égypte. Et là, de nouveau, vous voyez que Genève possède un fragment d'une page de codex dont l'essentiel se trouve à Berlin. On aura besoin de ça dans un instant, vous verrez pourquoi. Pour l'instant, revenons à notre papyrus. Ma chercheuse avait un petit peu de peine avec ça. Elle me l'a rendu et puis elle m'a dit, écoute, voilà, il faut que tu essaies de regarder ce que c'est. Je m'y suis mis. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à des distiques élégiaques. Donc une forme de poésie, très bien, c'était déjà un premier progrès. Et quand j'ai essayé de traduire ça, donc si Mars et Mercure à l'ascendant, peut-être le rencontrent dans des signes tropiques ou doubles, assez vite, je me suis rendu compte qu'on était dans un contexte astrologique, ce qui est relativement rare. Alors ça, c'est le début de l'enquête. Il faut savoir que l'astrologie est pratiquée bien sûr en Égypte, mais qu'elle a des origines aussi mésopotamiennes, et que les Grecs s'y sont mis assez tôt. Il y a un passage d'Hérodote que je n'ai découvert qu'il y a une année par hasard, qui est extrêmement significatif, où Hérodote nous dit, vous avez ça sur l'exemplier que certains d'entre vous ont, « Les Égyptiens ont découvert entre autres les divinités auxquelles appartiennent chaque mois et chaque journée. » Le sort réservé à chaque homme selon le jour qu'il a vu naître, avec la mort et le caractère qu'il aura, et les Grecs qui se sont occupés de poésie ont utilisé ces connaissances. Ça, c'est un passage en fait fondamental où Hérodote, déjà au 5e siècle, est en train de nous dire il y a des Grecs qui font des poèmes astrologiques. Anoubion, ça sera beaucoup plus tardif, mais enfin, voilà où les choses commencent. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers de l'astrologie gréco-égyptienne, il faut peut-être préciser un ou deux éléments de base. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons donc dans l'Antiquité cinq planètes
cinq planètes, bien sûr, qui sont nommées d'après des divinités que nous connaissons par leur nom latin, mais elles ont aussi leur équivalent grec, et souvent un terme un petit peu joli pour les désigner, Phainon, Phaéton, Pyroeis, Cupris et Stilbone. Mais enfin, ce sont nos cinq planètes. Les autres n'étaient pas connues dans l'Antiquité, puisqu'on ne pouvait pas les voir à l'œil nu. Et ces cinq planètes, donc, se baladent le long du cercle du zodiaque. Et c'est donc ces occurrences de planètes, ces conjonctions parfois aussi, qui vont déterminer des événements. Les anciens croyaient donc que le monde en dessous de l'orbite de la Lune était influencé par ces astres qui leur tournaient autour, au-dessus de l'orbite de la Lune. Il faut encore préciser une chose, c'est que nous sommes dans un système entièrement géocentrique, donc pas d'héliocentrisme, malgré Aristarque de Samos, malgré Copernic. C'est un système géocentrique, en fait, à une exception près qu'on discutera en fin d'exposé, pour les astrologues, le géocentrisme ne posait aucun problème. Ça allait très bien comme ça, ils n'avaient pas besoin de trop finasser. Alors, pour pouvoir émettre des prédictions, les anciens, les Grecs en particulier, avaient un système qui reposait sur quatre centres. Des centres, ce sont en fait des sortes de, un peu comme des points cardinaux, sauf que c'est dans un plan vertical. Vous avez l'ascendant, qu'on appelle aussi l'horoscope, vous avez le milieu du ciel, vous avez le couchant et vous avez l'hypogée. Ça, c'est les quatre points principaux où on va observer la position des planètes. On peut aussi les observer par rapport au zodiaque, comme je vous l'ai dit. Pour vous convaincre que je ne vous raconte pas juste des histoires que j'ai inventées moi-même, je vous montre ce papyrus un peu mal reproduit, mais enfin c'est un papyrus d'Oxyrhynque, où vous pouvez voir l'agrandissement, on voit un cercle du zodiaque dessiné, avec les différents signes du zodiaque, et puis les quatre centres, c'est horoscopos, l'horoscope, donc l'ascendant. Vous avez le mes uranema, le milieu du ciel, etc. Les quatre centres sont là, dessinés au début de l'ère chrétienne. Un autre exemple, c'est celui-ci, qui n'est qu'un cercle du zodiaque partiel, où vous pouvez voir qu'au niveau du verseau, le signe du Verseau, vous avez une conjonction de trois planètes, Arès, Zeus, Hermès, donc c'est bien sûr Mars, Jupiter et Mercure qui sont en conjonction. Voilà, donc les anciens avaient tout ce système, on va en voir d'autres exemples, mais maintenant il faut qu'on revienne à notre papyrus. On a vu qu'il s'agissait de grec, de distique élégiaque, d'un contenu astrologique, et c'est là où je me suis dit, mais j'ai déjà vu quelque chose de ce genre avant. Et le avant, c'était une publication de notre collègue Dirk Obink dans les papyrus d'Oxyrhynque. Il avait publié toute une série de fragments d'un poète appelé Anoubion. Alors, je me suis dit, et voilà quelque chose d'intéressant, il faut que j'aille voir. Et effectivement, le fragment de Genève ressemblait furieusement au type de poésie qui se trouvait aussi dans les papyrus d'Oxyrhynque. Je n'ai pas trouvé de correspondance exacte, mais enfin, c'était le même type de poème. Et il se trouve qu'on a une certaine chance dans la mesure où Anoubion est le seul poète grec qui fasse de l'astrologie en distique élégiaque. Alors, à partir de là, le raisonnement de la plupart des spécialistes, c'est de se dire, si vous tombez sur des distiques élégiaques astrologiques en grec, vous avez de très fortes chances pour que ce soit Anoubion. Mais c'est évidemment un argument dangereux, parce que c'est une sorte d'argumentum et silentio. Mais le principe général, c'est celui-là, et en fait, nous n'avons, on le verra, nous n'avons qu'un seul fragment de poésie en distique élégiaque qui soit explicitement attribué à Anoubion. Donc, il faut faire attention, on est sur un terrain un tout petit peu délicat.
Alors, l'enquête, il a fallu un peu la poursuivre et il se trouve que mon collègue Dirk Obink n'avait pas seulement publié ceci dans les papyrus d'Oxyrhynque, mais il avait aussi publié une édition Teubner qui regroupait tous les fragments, tous les témoignages sur Anoubion. C'était assez pratique, alors je suis allé regarder un petit peu ce petit livre et là je suis tombé sur quelque chose d'assez étrange. Si on regarde notre papyrus de Genève, vous voyez un spécimen de l'écriture là, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez sur ce papyrus d'Oxyrhynque qui est un papyrus de nature documentaire, ça ressemble aussi à celui-là. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut déjà dater la copie du papyrus de Genève aux alentours du 3e siècle après Jésus-Christ. Et ça, c'est un indice qui a commencé à me donner des idées parce qu'il se trouve que parmi les autres fragments, les fragments qui étaient publiés par Dirk Obink, se trouvait un papyrus à Berlin qui s'appelle un papyrus Schubart, rien à voir avec moi donc. Là, on avait aussi un fragment du 3e siècle après Jésus-Christ avec une attribution à Anoubion qui était quasiment certaine. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas, dans ma tête, ça a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, il ne serait pas exclu que, par analogie avec ce qu'on a vu précédemment, qu'en fait, le papyrus de Genève appartienne au même rouleau que ce papyrus de Berlin. Comment faire pour le déterminer? Bien, on a un autre élément qui est très utile pour cela. Anoubion, donc, a écrit en grec des distiques élégiaques. On reviendra sur cette question d'époque de Néron, parce que c'est un petit peu hypothétique. Mais on a un autre astrologue, qui est un latin, un romain, Firmicus Maternus, qui a produit un manuel d'astrologie complet, entièrement transmis, en prose, au IVe siècle après Jésus-Christ. Or, il se trouve que, quand vous prenez Firmicus Maternus, il y a toute une section où ce qu'il raconte en latin correspond presque mot pour mot avec ce que vous retrouvez dans des fragments attribués à Anoubion. Beaucoup de gens se sont dit, en fait, Firmicus a copié Anoubion. On en est revenu, maintenant on pense que les deux avaient probablement une source commune. Alors, là il y avait un point d'ancrage supplémentaire et je me suis dit la chose suivante. Si le papyrus Schubart de Berlin vient du même rouleau que le papyrus de Genève, que nous avons pour le papyrus de Berlin une correspondance chez Firmicus, eh bien, il faudrait aller voir si éventuellement on va retrouver une correspondance chez Firmicus au contenu du papyrus de Genève qui n'était toujours pas publié. Vous me suivez là? Bon, alors j'ai essayé de chercher et effectivement, bingo! On reprend les vers que je vous ai lus avant, et voilà chez Firmicus qu'on vous dit si l'horoscope est dans des signes tropiques ou dans des signes doubles, et si Mars et Mercure sont unis en partageant le degré de l'horoscope, etc., etc. C'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même drôlement proche. Conclusion, vous voyez qu'en fait, ces deux passages sont très proches dans le traité de Firmicus Maternus, ce qui renforçait l'hypothèse que les deux papyrus venaient d'un même rouleau, simplement deux morceaux qui avaient été détachés. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Eh bien, on se rue sur son clavier et on écrit au collègue de Berlin « Envoie-moi vite une image digitale !» Ce que j'ai fait. Et voilà le résultat. Vous aurez remarqué le fameux Z de Zorro sur le papyrus de Genève. Le revoici sur le papyrus Schubart de Berlin. C'est la même écriture. Donc évidemment, après ça, quelques temps plus tard, je suis allé à Berlin voir la bête. C'était bien lui. Et c'était un premier pas. Alors, à partir de là, évidemment, ça n'est pas une identification certaine d'Anoubion, mais ça augmentait les chances pour attribuer tout cela à Anoubion. Et sur cette base-là, eh bien, j'ai pu aller un tout petit peu plus loin. Nous avions le fascicule, le petit livre produit par Dirk Obink.
J'ai eu l'occasion de présenter le résultat de cette première découverte à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris. Et là, l'éditeur de la série des belles-lettres, la collection des universités de France, m'a dit « Mais écoutez, moi j'aimerais bien que vous fassiez une édition belles-lettres de tous les fragments d'Anoubian, parce que celle de Hobbink ne suffit pas, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de commentaire, il faudrait faire un peu plus. » Donc, vous connaissez ça ici aussi. En Suisse, c'est la même chose. Il a fallu chercher de l'argent, trouver des fonds. Et puis, la chose a été lancée. Et en 2015, le livre a pu sortir à mon grand soulagement. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le début de l'aventure. Mais avec ça, on ne sait toujours pas qui est Anoubian. Alors, qui est-il ? Eh bien, il faut se lancer dans une autre enquête et vous allez voir que l'identité d'Anoubian est un tout petit peu énigmatique. Pour comprendre de quoi il retourne, il faut d'abord se tourner vers les Actes des Apôtres, où il y a un passage qui pour nous va être utile. Je vous le lis. « Or, il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon qui faisait profession de magie et tenait dans l'émerveillement la population de la Samarie. » Il prétendait être quelqu'un d'important et tous s'attachaient à lui, du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'est qu'il les maintenait depuis longtemps dans l'émerveillement par des sortilèges. Mais Simon, lorsqu'il vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur proposa de l'argent. « Accordez-moi, dit-il, à moi aussi ce pouvoir, afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre leur répliqua, « Périsse ton argent et toi avec lui, pour avoir cru que tu pouvais acheter avec de l'argent le don gratuit de Dieu. Il n'y a pour toi ni part ni héritage dans ce qui se passe ici, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Ça, c'est le passage qui vous explique le concept qu'on a appelé plus tard la simonie, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on peut commercialiser. Apparemment, ça ne se commercialisait pas. Donc, nous avons affaire ici à Simon le magicien, un contemporain de Pierre, de l'apôtre Pierre, et c'est pour ça qu'avant, vous avez vu qu'on parlait de l'époque de Néron, parce qu'on est à peu près à cette époque-là. Alors, toujours pas trace d'Anoubian, mais pour retrouver Anoubian, on va le retrouver dans un roman qui s'est composé entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ, mais qui fait allusion à cette même période. C'est le roman du pseudo Clément de Rome. Clément de Rome, c'est le successeur de Saint-Pierre, sauf erreur. Et donc là, on va retrouver non seulement Simon le magicien, mais Anoubian. Voilà, je vous lis le passage. « Pour ma part, je dis notre maître Pierre, s'il ne savait pas qu'il est le seul à prévaloir sur le pouvoir, donc de Simon le magicien, ne nous aurait pas envoyé avec l'ordre d'apprendre en secret les enseignements de Simon et de les écrire pour lui. Cependant, puisque le soir nous a surpris, partageons l'hospitalité et dormons. À l'aube, l'un des familiers de Bérénice vint nous dire que Simon avait levé l'ancre pour se rendre à Sidon, mais que ses disciples étaient restés. Appion Pleistonicès, un citoyen d'Alexandrie, formé comme grammairien, que j'avais identifié comme étant un ami à moi par mon père. Il y avait aussi Anoubian de Diospolis, un astrologue, ainsi qu'Athénodore d'Athènes, qui s'adonnait à la philosophie épicurienne. Or, nous apprîmes donc ce qui s'était passé avec Simon, nous écrivîmes le tout dès l'aube et le fîmes parvenir à Pierre, puis nous retournâmes à notre discussion. » Alors, là, vous avez la présence d'un Anoubian de Diospolis, un astrologue, en compagnie de Saint-Pierre, de Simon le magicien et tout ça. Donc, a priori, on peut se dire, voilà, Anoubian, on peut le situer à peu près comme un contemporain de l'apôtre Pierre, donc on va dire milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Vous aurez remarqué qu'il y a une double faute d'orthographe, si j'ose dire, Appion avec un double P et Anoubian avec un double N. C'est bien comme ça que ça apparaît sur les manuscrits avec un double nu, un double pi. On pourrait me dire que c'est une faute tout à fait fortuite.
Il se trouve qu'il y a encore un troisième personnage, une certaine Matidia, qui elle est aussi écrite avec un double T, double Tau. Ça commence à faire beaucoup de fautes. Et mon hypothèse, c'est que là, on a une sorte de petite fantaisie de l'auteur qui essaye de nous faire comprendre qu'un Nubian ici est un personnage, je dirais, semi-légendaire, semi-fictif. Anoubion a probablement existé, l'auteur de ce traité d'astrologie a probablement existé, mais là, il est en quelque sorte projeté sur ce roman chrétien du pseudo Clément de Rome. De même qu'Appion Pleistonicès, Appion d'Alexandrie, est tout à fait connu, attesté par ailleurs. On n'a pas de doute sur son existence, mais ici, c'est probablement une construction littéraire. Ça veut dire que quand nous disons Anoubion, milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est un tout petit peu risqué, dans la mesure où nous n'avons aucun papyrus qui contiendrait des fragments d'Anoubion qui datent du 1er siècle. Les premiers témoignages arrivent à la fin du 2e siècle, voire au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc il n'est pas exclu qu'Anoubion ait en fait été actif plutôt à la fin du 2e siècle. On ne peut pas le dire. En gros, il faudra se contenter d'un auteur du Haut Empire romain, qui vient de Diospolis. Donc Diospolis, c'est Thèbes, si vous préférez Karnak, Louxor, au sud de l'Égypte, une région qui regorge de poètes à cette époque et dans les siècles qui vont suivre encore. Il y a plusieurs grands poètes qui venaient de cette région du sud de l'Égypte. Maintenant, Anoubion, comme vous l'avez déjà constaté, ne travaille pas totalement en vase clos, puisque un petit peu plus tard, Firmicus Maternus va aussi travailler sur le même matériel, et c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Voilà comment on pourrait représenter les choses. Vous retrouvez Anoubion, vous avez Firmicus Maternus, qui travaille donc apparemment sur la même source qui date vraisemblablement de l'époque hellénistique. Mais vous allez trouver des passages avec une correspondance confondante aussi chez Vettius Valens au 2e siècle après Jésus-Christ, qui lui nous a fourni un traité complet. Et puis, vous avez aussi un poète grec qui s'appelle Dorotheos, probablement légèrement antérieur à Anoubion, dont nous n'avons plus le poème, on a juste quelques fragments. Et puis, on a un résumé de ce que Dorotheos a composé. Un résumé qui, donc, est passé par le grec, par le persan et par l'arabe. Et aujourd'hui, on travaille sur une traduction anglaise de la version arabe. Parce que je ne sais pas lire le persan, je ne sais pas lire le grec. Enfin oui, je sais lire le grec, pardon. Voilà. À quoi ça nous sert tout ça? Eh bien, ça veut dire que quand vous travaillez sur Anoubion qui est très fragmentaire, parfois c'est utile d'aller voir ce que les autres ont dit parce que ça va vous permettre de boucher les trous. Notamment pour reconstituer le texte du fragment genevois, j'ai pu m'aider de certains parallèles, en particulier chez Firmicus, mais Dorotheos, lui aussi, nous fournit des indications tout à fait utiles, parce qu'il a couvert le même matériel, et même si nous n'avons pas son poème, nous avons le résumé de l'ensemble. Donc ça, c'est un témoignage extrêmement utile. Alors maintenant, on va se tourner précisément vers ce passage dans lequel on va nous citer un témoignage, un fragment d'Anoubion en l'attribuant explicitement à l'auteur. Vous verrez que c'est un tout petit peu compliqué, on ne va pas pouvoir entrer dans tous les détails. Ça nous vient d'Héphestion de Thèbes, donc un astrologue prosateur du 5e siècle qui vient du même endroit que notre Anoubion, et qui, là, fait référence à Ptolémée, donc Claude Ptolémée, dont je vous rappelle qu'il n'était pas seulement astronome, mais aussi astrologue, c'est-à-dire qu'il a publié une sorte de grand résumé, si vous voulez, ou de grand manuel d'astrologie. Il faut bien voir que Claude Ptolémée, même s'il a travaillé sur les deux versants, astronomie et astrologie, ne mélange jamais les deux. Il fait l'un ou l'autre,
mais pas les deux en même temps. Alors voilà ce que nous dit Héphaestion. Voilà ce que Ptolémée expose de manière tout à fait compétente et naturelle à propos du degré de l'horoscope. On exposera cependant aussi pour bien faire ce qui figure chez d'autres en vue de trouver l'horoscope de manière approximative, même s'il n'est pas possible de préciser le degré exact comme le fait le divin Ptolémée. Il faut donc user aussi de la méthode exposée dans le chapitre de la conception pour trouver l'horoscope de manière assez approximative. On soustrait en effet de la position du Soleil les degrés entre la conjonction précédente du Soleil et de la Lune et la position du Soleil au moment de la naissance, en comptant un degré pour chaque signe, et le signe sur lequel on tombe sera plus ou moins celui de l'horoscope. Or, Anoubion, dans ses distiques élégiaques, dit ce qui suit. Alors on va voir les distiques élégiaques dans une seconde, mais on va d'abord essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça. Je ne peux pas vous exposer tout le détail, mais le problème est le suivant. Si vous voulez établir l'horoscope d'une personne et dire, voilà, puisqu'elle est née à tel moment, eh bien voilà ce qui va lui arriver dans sa vie, il faut savoir quand la personne est née. Or, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui n'avaient aucune idée de quand ils étaient nés. Ils connaissaient souvent même pas leur année de naissance. On le voit très bien dans des documents de caractère administratif où l'âge d'une même personne peut varier de façon assez surprenante. Une année, ils ont 35 ans, puis l'année suivante, ils en ont 40, parce qu'ils ne savent pas exactement quand ils sont nés. Donc, il fallait imaginer une méthode qui allait permettre de calculer l'horoscope de quelqu'un sans savoir quand il était né. Et donc, là, on ne peut pas rentrer dans tout le détail, mais c'est un truc où vous regardez comment les choses se passent maintenant, puis vous décalez un petit peu quelques planètes sur le cercle de l'horoscope, et presque par magie, voilà qu'on va trouver une version approximative de l'horoscope. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était la roue de secours des astrologues. Alors, là, on peut voir maintenant, ce sont les 12 vers qui sont attribués avec certitude à Anoubion, enfin explicitement à Anoubion, où il va exposer à sa manière ce que je viens de vous expliquer avant. Or, tu pourrais connaître l'horoscope sans connaître l'heure de la naissance grâce aux autres astres, en observant la Lune et le grand Soleil. Lors d'une naissance diurne, en calculant à partir du soleil, considère le signe où s'est rendu le dieu maître de maison, et de là compte un à un les signes jusqu'à l'astre présent occupé par la lune, et soustrait du signe où se trouve le soleil ce chiffre dans sa totalité. Le signe où cela s'arrête, c'est aussi l'horoscope. En observant l'heure du thème nocturne, il faut retrancher d'abord le chiffre de la Lune, mais si le Soleil présente un nombre de degrés insuffisant entre les astres, il faut observer les positions en cadra et en diamètre. Pouf, bon, donc le principe c'est simplement de dire, voilà, de jour on va s'occuper du Soleil, de nuit on va prendre la Lune, et puis on va faire ces sortes de décalage le long du cercle du zodiaque, et ça devrait jouer. Puis si en fait on arrive à quelque chose qui est pas suffisamment précis, on va aller se mettre d'un autre côté du cercle du zodiaque, c'est-à-dire soit en diamètre, c'est-à-dire de l'autre côté du cercle, soit en cadra, c'est-à-dire à 90 degrés. Voilà, c'est du bricolage astrologique. En fait, pour l'essentiel, les prédictions que nous avons chez Anoubion fonctionnent selon le système suivant. Il y a toujours ce qu'on appelle une protase et une apodose, c'est-à-dire si les astres se trouvent à tel et tel endroit, voilà ce qui va se passer. Par exemple, ça c'est un papyrus d'Oxyrhynque publié par Hobbink, si tu trouves l'enflammé, c'est-à-dire Mars, placé comme maître du signe nuptial dans les lieux que j'ai annoncés, la violence aura part à cette naissance de la main d'un être inférieur, d'un vil esclave ou d'un pauvre. C'est pas hyper précis, hein, mais ça vous permet, disons, d'imaginer ce qui va vous arriver quand même. Donc là, c'est une prédiction en rapport avec la dimension matrimoniale de l'existence de quelqu'un. Vous aurez remarqué qu'il est question d'un signe nuptial, c'est-à-dire que chacun des signes du zodiaque
ont par ailleurs des caractéristiques, tel ou tel signe va influencer plutôt tel aspect de votre vie. Ça peut être la dimension matrimoniale, ça peut être votre fortune, ça peut être vos parents, ça peut être les voyages, toutes sortes de choses. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une correspondance entre l'astre pris en considération et le résultat. Comme il s'agit de Mars, le dieu de la guerre, eh bien, le résultat, c'est qu'il y aura de la violence. Voilà. Mars est considéré comme un dieu négatif, un dieu qui a des effets, disons, peu attrayants. Même chose pour Saturne, alors que Jupiter est considéré comme une divinité positive, Vénus aussi. Et puis Mercure, lui, il est un petit peu entre les deux. Des fois il est gentil, des fois il est méchant. Un autre exemple, c'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est la suite en fait, où cette fois-ci c'est Aphrodite ou Vénus qui intervient. Si c'est Cypris qui est la maîtresse du signe nuptial, la jeune fille perdra sa virginité dans des fêtes bachiques et des célébrations nocturnes. Si le resplendissant, c'est-à-dire Mercure, se trouve être placé comme maître dans ce lieu, comme je l'ai dit clairement aussi dans ce qui précède, il introduit certainement de grands procès, des cris et des jugements. Mais c'est pire si l'enflammé, Mars, est présent avec Hermès, Mercure. De nouveau, vous voyez l'influence des divinités. Quand Aphrodite ou Vénus s'en mêlent, eh bien, ça va avoir un effet sur la virginité de la jeune fille. Et vous retrouvez une situation ici qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans les comédies de Ménandre et celle de Plaute, hein, avec ces jeunes filles qui vont faire la fête et puis qui se réveillent le lendemain matin avec la gueule de bois et quelque chose en moins. Du côté de la seconde prédiction, vous aurez remarqué que Mercure ou Hermès, c'est le dieu qui est associé à la rhétorique notamment, et on n'est pas surpris de voir qu'il a une influence sur les procès. Et vous voyez qu'une fois que Mars s'en mêle, Arès si vous préférez, eh bien le résultat est rendu négatif. Un autre type de prédiction que l'on trouve ici ne figure pas dans un fragment d'Anoubion à proprement parler, mais dans une sorte d'énorme résumé qui figure dans un codex astrologique de la période byzantine, où vous avez toute une série de prédictions qui sont attribuées en fait conjointement à Anoubion et à Dorotheos, l'autre poète presque contemporain. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment faire la part des choses entre les deux. Donc, on est obligé de prendre tout ça ensemble, même si, dans le fond, ça n'est pas nécessairement attribuable directement à Anoubion. Alors, là, il est question de ce qu'on appelle les positions en aspect trigone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez en considération deux planètes et elles vont se trouver sur les pointes respectives d'un même triangle. Donc, vous avez toutes sortes de combinaisons, hein, mais simplement, elles vont se retrouver en fait à 60 degrés, non, c'est pas, à 120 degrés l'une de l'autre, et elles s'inscrivent dans un triangle. Alors, quand vous avez des positions dites en aspect trigone, ça va vous produire un effet positif. En revanche, si les planètes se trouvent en aspect en quadra, c'est-à-dire que ça s'inscrit plus dans un triangle mais dans un carré, à ce moment-là, l'effet est considéré comme négatif. Alors vous voyez ici Saturne placé en trigone avec Jupiter. Qu'est-ce que ça donne? Il produit une grande richesse. Les natifs possèdent beaucoup d'or et d'argent, deviennent intendants de sanctuaires et percepteurs d'impôts, curateurs du bien d'autrui. Ils héritent, on leur fait confiance, ils sont honorés par de grands hommes. Cette configuration est favorable aussi en ce qui concerne les pères des natifs. De nouveau, là, on voit un lien avec la nature alléguée de ces dieux. Saturne, c'est celui qui s'occupe d'argent. Et vous voyez que la dimension favorable en ce qui concerne les pères, eh bien ça, c'est lié au fait que Saturne est le père de Jupiter. Donc,
puisqu'on est en aspect trigone, ça sera bien. Si c'était en quadra, ça serait la catastrophe. Toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas reconstituer tout le poème d'Anoubion. On est obligé de composer entre des fragments spécifiques et puis cette sorte d'immense résumé qui nous donne une vision, disons, plus générale des choses. Mais on n'arrive pas à faire correspondre les fragments à tel ou tel aspect du résumé. Alors maintenant, je reviens à ce papyrus de Genève parce qu'il avait un point assez important, c'est que à la fin du texte, il y avait la conjonction de plusieurs divinités, plusieurs planètes. Zeus, donc Jupiter, Arès, donc Mars, Hermès, donc Mercure, et la Paphienne, donc Vénus, lorsqu'ils sont ensemble à l'horoscope, après il est question d'un centre, de la lune, naissance, et malheureusement, le fragment genevois s'arrête là. C'est important quand même parce que avoir une conjonction, c'est-à-dire avoir au même endroit plusieurs planètes, quatre planètes de suite, c'est extrêmement rare. Parce qu'elles n'avancent pas toutes à la même vitesse, vu que leur orbite n'est pas de la même dimension. Alors là, ça vaut la peine justement d'aller voir ce que Firmicus nous dit dans le passage correspondant. Si l'horoscope était dans la Vierge, et si également à l'horoscope étaient placés Jupiter, Mars, Mercure et Vénus, et si Saturne était dans les poissons, regardant en diamètre tous ceux que nous avons cités, si le Soleil à l'anaphore de l'horoscope occupait le signe de la Balance, et si la Lune était dans le Verseau, et s'ils étaient tous dans leurs propres confins, tous, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Mars, Mercure et Vénus, cette géniture est l'annonce d'un empereur tout-puissant. Donc vous voyez, pour avoir un empereur tout-puissant, il faut qu'on réunisse des conditions qui sont quasiment impossibles à obtenir. Ça peut arriver une fois dans l'existence des hommes, ce genre de choses. Donc en fait, on vous fait une prédiction qui vous met en quelque sorte l'eau à la bouche, on va avoir quelque chose d'exceptionnel, mais les conditions, la protase est telle que c'est pratiquement impossible de réaliser ça. Ce type de prédiction est exactement à l'inverse de ce que les Romains avaient interdit par ailleurs, c'est-à-dire que déjà sous le règne d'Auguste, la fameuse Lex De Majestate avait fait en sorte qu'il était interdit notamment d'annoncer la mort de l'empereur par astrologie. Vous pouvez imaginer pourquoi annoncer la mort d'un empereur, ça pouvait vouloir dire susciter des rivaux qui allaient vouloir réaliser la prédiction qui venait d'être publiée en quelque sorte. La famille impériale, notamment sous les Julio-Claudiens, vivait dans une situation un petit peu bizarre où, en fait, ils avaient extrêmement peur de l'astrologie, mais ils en étaient aussi extrêmement friands, et non seulement les empereurs, mais aussi leurs épouses. Leurs épouses étaient des grandes clientes des astrologues, et ces astrologues égyptiens avaient une entrée toute particulière auprès de la cour des empereurs et de leurs épouses à Rome. On y reviendra dans un instant. Pour l'instant, il faut quand même se poser une question. Si vous voulez, réaliser toutes ces prédictions, il faudrait que vous soyez en mesure de calculer la position des astres, parce que tout le monde n'est pas astronome. Si on vous dit, voilà, si Jupiter se trouve dans le Sagittaire, il va se passer ceci, cela, il faut que vous soyez encore capable de déterminer la chose. Alors, il se trouve que nos papyrus nous ont livré des témoignages à ce sujet. Vous voyez, par exemple, ici, une tabelle de prédiction de la position des planètes. Donc, c'est le genre d'instrument qu'un astrologue, professionnel, pouvait utiliser. Alors là, il avait besoin des compétences d'un astronome pour pouvoir ensuite utiliser ces tabelles et les traduire dans quelque chose qui allait pouvoir correspondre
à ce qu'il allait trouver dans son manuel. C'était tout un art, et les gréco-égyptiens devaient avoir un certain nombre de gens qui s'occupaient de ça. Et le résultat, c'est que nous possédons des dizaines de ces horoscopes, comme celui-ci qui date de 212 après Jésus-Christ, où on va vous indiquer donc une date. Là, c'est marqué que c'est l'horoscope. Et puis, ensuite, on va vous mettre la position des astres. Par exemple, ici, Zeus Carcino, donc ça veut dire Jupiter dans le signe du Cancer. Vous avez ici le Soleil, Mercure dans le Taureau. Vous avez Vénus dans le Bélier. Vous avez Mars et Saturne dans le Lion. Et vous avez la Lune dans le Sagittaire. Donc, nous possédons toute une documentation qui vient compléter les manuels eux-mêmes. Je vous montre encore un exemple intéressant, c'est cette lettre que j'ai eu la chance de pouvoir publier il y a longtemps avec un spécialiste d'astronomie, Alexander Jones. Et cette lettre, c'est la seule qu'on connaisse où on voit l'application de l'astrologie à une situation de la vie courante du quotidien de ces Égyptiens. N'oublie pas la commande des trois plats, deux grands et un petit, ça c'est tout à fait banal. Et voilà qu'il continue, rejoins ton ami lorsque la lune sera dans le Sagittaire à la quatrième heure. Elle y arrive le 12 du mois de Thoth et elle y reste encore le 13 et le 14 jusqu'à la septième heure. C'est à ces heures qu'il te faut rejoindre ton ami. Le verbe pour rejoindre, c'est sumbale, qui peut vouloir dire aussi fait affaire avec ton ami. Donc c'est pas exclu que ce soit plutôt une demande pour savoir quel est le moment favorable pour conclure un contrat avec quelqu'un. Donc voilà toutes ces activités astrologiques qui avaient cours dans l'Égypte. Mais comme je vous l'ai dit, les Julio-Claudiens étaient aussi très friands de ce genre de choses. Et on le voit à travers d'autres témoignages papyrologiques. J'aimerais simplement vous signaler un cas intéressant, parce que ce cas va nous montrer qu'en fait, la limite entre astrologie et astronomie est tout à fait ténue. C'est un papyrus d'Oxyrinque qui nous conserve assez mal, je dois dire, les restes d'un poème qui raconte l'apothéose de Poppaea Sabina, c'est-à-dire la femme de Néron. Vous savez que la femme de Néron, d'après Tacite, serait morte d'un coup de pied dans le ventre de la part de Néron, alors qu'elle était enceinte jusqu'au cou, la pauvre. Et donc ça, c'est la version de Tacite. Là, on a une version totalement différente, où Poppaea Sabina reçoit la visite d'Aphrodite sur son char, qui lui dit « Ma chère, il faut que tu m'accompagnes, on va monter au ciel. » Et elles vont traverser toutes les orbites des différents astres. Donc, Poppaea Sabina fait un discours déchirant à son mari, qu'elle aime beaucoup, elle lui dit « T'en fais pas, je vais m'occuper de nos enfants au ciel, etc. » Donc, c'est un récit totalement différent de celui de Tacite. Et ce qui nous intéresse ici, c'est quand elle arrive au ciel, voilà qu'il y a Arès ou Mars, si vous voulez, qui bondit, qui tout d'un coup glisse vers l'ouest. Il se casse la figure tellement il est content. Et ça a l'air tout à fait anodin, mais en fait, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui voient à quoi ça correspond, d'un point de vue astronomique. C'est en lien avec Vénus ? Non. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation de Mars. C'est un phénomène que les astronomes connaissent, moi je ne connaissais pas. C'est une illusion d'optique, parce que comme les orbites ne sont pas les mêmes entre la Terre et Mars, eh bien, il y a un moment où si vous observez Mars, vous avez l'impression que Mars revient en arrière avant de repartir en avant. Mais c'est une illusion d'optique. Donc, vous voyez comment ce genre de phénomène astronomique se traduit dans un poème, sur le plan, je dirais, quasi mythologique, avec un dieu qui est tout content, puis qui se casse la figure tellement il est content. Voilà. Donc ça, c'est, de nouveau, c'est une façon de souligner le fait qu'on ne peut pas dire simplement il y a l'astrologie et l'astronomie dans l'Antiquité. Vous avez vu que les astrologues ont besoin de tabelles pour les prédictions,
ils s'appuient quand même sur des données qui, elles, sont tout à fait précises. Et à partir de là, ils vont produire, bien sûr, un résultat comme un poème. Alors, on peut se demander si c'était tout à fait utilisable, mais enfin, ça circulait en tout cas dans l'Égypte romaine. Je vais m'arrêter ici. Peut-être juste vous rappeler un tout petit quelque chose, puisqu'il me reste encore 3 minutes. Je vais juste vous montrer encore quelque chose pour vous rappeler que le calendrier de notre semaine est totalement astrologique. Hein. Je vous rappelle que, en fait, ce sont les planètes qui déterminent notre calendrier de la semaine, au moins pour ce que j'appellerais le calendrier occidental. C'est frappant de voir que dès que vous allez dans la région orientale, tout correspond exactement, mais selon un autre système de numération à partir du sabbat. Donc il y a vraiment une sorte de clivage, si vous voulez, entre le calendrier de la semaine occidental et celui oriental. Je voulais juste vous le signaler au passage, puisque j'avais encore 1 minute avant de m'arrêter. Voilà. Je m'arrête en vous remerciant de votre patience et je suis à votre disposition si vous avez des questions.